Mesdames et messieurs, deuxième partie critique info. Bientôt un gouvernement de l'Union sacrée. L'avenir, et puis Nyamugabo, Mwabilu, Paluku, Mayo et Bongo, parmi les ministres les plus actifs. Nous avons aussi, en même temps, il faut le dire, hein, Madame Philo aux États-Unis, merci pour sa contribution. Et puis Madame Mulata Moba Odette, la femme de Monsieur Makim Mputu Bouélé. Merci la bande de Kora parce que Batindi, Bakashne, Naba uniforme. Pour la bande de Konabiso, au bazar en Bandaka. Merci Mingi Nabango Nyoso. Félix Tshisekedi fixe les axes prioritaires. Je crois traité du droit administratif de la deuxième de la RDC, deuxième édition, par Félix Vundwa Wete Pemako et Jean-Marie Mboko Njadima. Africa News, Katumbi ne croit pas aux élections anticipées. Leader d'ensemble évoque les limites que Fachi ne saurait franchir. Ngobila arrache un accord de coopération avec Paris. Nous avons, pour terminer, encore une fois, l'avenir, mais comme on a parlé déjà, des enseignants non-catholiques crient à la discrimination religieuse sur le plan de la société. Congo Buzz et Elite Télévision souhaitent un joyeux anniversaire, un pétillant anniversaire à la très belle et jolie dame Vanessa Moussaou qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et la direction souhaite un bon anniversaire à madame. Mesdames et messieurs, nous parlons maintenant de ce sujet que vous lisez vous-même, le désarroi au sein du FCC. Et puis, vous le savez d'ailleurs, un petit audio a circulé sur la question de... dans cet audio, on entend la voix qui ressemble à celle de Joseph Kabila. Est-ce lui ou pas lui? On n'en a pas de preuve en dehors de cet audio-là. Je voudrais prendre toutes mes réserves et surtout toute ma prudence pour analyser les propos que j'ai entendus. Pas de Kabila, forcément, parce que rien n'est sûr que c'est lui. Il a été plusieurs fois imité, on ne sait pas. Mais disons un peu des choses. Je crois que dans 2 semaines ou 3 semaines, parce que l'autre sa tribune, Nabiso et Malobi, sur l'apprentissage douloureux de l'opposition, mais la fin du mois, Netorulubela, certainement, quelles sont les raisons qui ont poussé FCC est tombé. On a un peu qu'on réfléchir sur les raisons fondamentales qui ont ici empire à Kabila. Ouais. C'est quand on se croit parfois au sommet que l'on se rend compte qu'on n'est jamais arrivé à la moitié de la montagne. Mesdames et messieurs, dans cet audio, voici ce qui a été dit.
puisqu'on va lire quelques tweets aussi. Face à cette situation, que faire? L'audio commence tout de suite par là. Face à cette situation, que faire? Nous avons des élus, nous avons des chefs de parti de regroupement, mais le FCC n'a qu'une seule recommandation pour le moment. Il faut rester serein. Vous ne devez pas lâcher. Très bien. On prend hypothèse 1. Le FCC n'a pas un véritable problème. Il n'y a qu'au lâcher ou pas, il y a qu'au lâcher. Le FCC se sent lâché de l'intérieur. Il n'y a pas eu cette cohésion au sein du FCC. Il y a par contre, on a assisté par contre, Nakoboma, ba initiative, Nakoboma, ba projet, Nakoboma, ba leadership naissant. Le FCC s'est battu contre la renaissance, malheureusement. Ba bundi contre renaissance. Au lieu de permettre aux jeunes gens d'évoluer, le FCC s'est finalement donné la mission d'éteindre tout le leadership au Bané qui a émergé. Parce que tel qu'en avec Oboya, tel qu'avec Oboya. N'a qu'à sa tribune, en bord, le bon mini, parce que la tribune, dans le bien, quand même, avec beaucoup de détails. Lorsque vous avez Mata Tampogno d'un côté, vous avez Chadari d'un côté, vous avez Mabunda d'un côté, vous avez Nehemi d'un côté, vous avez Kimbuta d'un côté, vous avez Mende de l'autre côté. En fait, vous avez tous ces gens-là qui, à un moment donné, ont tous été des ministres, 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 ministres. Alors, ils se posent des questions. Au nom de quoi, vous avez Minako aussi, il faut le dire. Au nom de quoi, par exemple, M. Minako peut accepter d'être sous le leadership de Matata? Au nom de quoi, Matata voudrait être sous le leadership de Nehemi Moulani, qui n'a jamais été ministre? Au nom de quoi, Chadari, Nehemi Moulani a pu accepter d'être sous le leadership de Chadari, qui n'est pas professeur comme lui? Vous voyez toutes ces considérations-là. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et du coup, ces gens-là forment maintenant des cartels. Va former ma cartel, moutonna petit naï. Et du coup, au lieu de faire émerger une cohésion, va créer un problème na bango na kati. Non, en tout cas, je ne vais pas me presser. Je vous donnerai tous les détails. Je vous parlerai de détails et de détails. Nous remettons la bino dans la tribune, nous remettons la bino sous le pouvoir de Kabila. Azu yon nengenin. Avani nan nengenin. Pourquoi vous m'avez pendant 18 ans? Nini sali ka koya soudainement. Va tu vas comprendre que ils ont soudainement été. Bah comprendre que ça va y avoir un miki accumulé si ko va y avoir un miki voilà mais ça allait finalement il a fessé et le quoi là parce qu'il y a des gens qui ont fait 30 ans en Afrique toi bah toi ça allait 30 ans bah toi ça allait 40 ans bah toi ça allait 45 bah ali mais comment ça se fait que non je crois 45 quand t'es plutôt 40 ans bah ali alors il y a des gens qui ont fait plus d'années que Kabila mais pourquoi lui il n'a simité et comme il a coquille si 18 kaka il a coquille sauté pourquoi? Est-ce que ça volonté naïe? Est-ce que ça? Donc on explique tout ça dans cette tribune là. Mais quand on parle de l'audio, le FCC pose des mauvaises questions sur les vrais problèmes. Les FCC se comportent pas bien sur une problématique aussi bonne ou aussi simple. La problématique ici c'est la perte de confiance, c'est la perte de vitesse. Alors au lieu de poser des questions, et outil wapi, vous posez ma question, non. Le problème, c'est que le FCC a posé la mauvaise question. Ce n'est pas qui vous a fait, c'est qu'est-ce que vous vous êtes fait vous-même. Mais comme vous refusez de vous regarder dans les yeux et faire des véritables autocritiques, pas des autocritiques et accusations, imaginez-vous un peu. Vous perdez l'Assemblée nationale, vous attaquez Nehemi Moulani. Oh, mais qu'est-ce que Nehemi Moulani a à voir dans mon emboîte? Non, disons-le clairement. Qu'est-ce que Nehemi Moulani a à voir? Le problème est ailleurs. Vous perdez Kouna Bozongio, Chadari Akeni. Non, le problème est au-delà de Chadari. Le problème est au-delà de Nehemi Moulani. Le problème avec vous, le FCC, c'est que vous avez toujours fait des mauvaises analyses sur des situations aussi simples. Vous posez très mal les questions et les réponses qui viennent sont des réponses inappropriées. Ce ne sont pas des fausses réponses, mais des réponses inappropriées. Dans d'autres circonstances, ces réponses auraient servi à d'autres questions. Mais ça, les gens ne veulent pas aller plus loin. Parce que déjà, tout commence mal quand c'est un qui appelle. Comment c'est lui qui peut nous appeler? Vous avez vu une courte vidéo, mais les gens ont pensé que c'était de la blague. Ce n'était pas de la blague. Dans une vidéo, donc, au fait, les gens ont cru que c'était de la blague. Non, ce n'était pas de la blague. Non, pas du tout. Ce n'était pas de la blague. C'était des choses dans mon thème. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que Nehemi Moulani en fait de trop.
Il y a des gens qui pensent que Némi Moulin en fait de trop. Il y a des gens qui pensent aussi que Mabunda commence à en faire un peu de trop, comme elle parle avec le chef, à Okantakaza d'Angers. Et fait comme ça. C'est la même chose qu'on avait reproché à Matata Pogno, à Kantarake, Yenesokolobi, président Koyokaye. Et parfois, au lieu de les réfléchir au-delà de l'émotion, non, non, vous êtes dans les émotions. Et ça vous prend du temps. Au lieu de résoudre le vrai problème, vous ne le résolvez pas, parce que vous êtes finalement dans Makambo Ebele, 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 Ebele. Et vous n'allez pas résoudre le problème. Donc, dans cet audio-là, le problème, ce n'est pas de demander aux députés de se serrer, non, d'être serein. Les députés ne peuvent pas être sereins lorsque les menaces devant eux sont sérieuses. Non. On ne peut, vous ne pouvez pas demander aux députés d'être sereins. Les députés, là, au Badek Nefsession, on a besoin de la sérénité. Parce que, regardez les traitements qu'on a réservés à Katumbi. C'est les traitements qui inquiétaient. Katumbi qui a été avec vous. Moutounabino a rien saranaté. Vous présentez à Bissou, le quoi, bon gouverneur, école, cas d'école. Mais le jour où Katumbi vous dit seulement non, c'est pas possible, tout qu'il y a une logique qu'on a été, allez vous le mettez dehors. Mais même aussi, les Katumbi aussi n'avaient pas vu le traitement qu'on avait réservé à Vital Kamerhe. Les pacificateurs à l'époque, très proches de Kabila. Mais frère, si vous voulez avoir une idée de comment le dirigeant va vous traiter, regardez comment il traite ses anciens collaborateurs. Vous, les nouveaux venus, avant de vous engager, regardez comment on a traité vos anciens. Matala Ranan Ubongo. Ouais, une femme, quand elle veut se marier, il faut d'abord regarder le gars, comment il est. Surtout les femmes qui épousent les divorcés. Faites très attention. Pongolov disait, je préfère encore un homme qui a divorcé. Je préfère encore un homme veuve qu'un homme divorcé. Parce que les raisons pour lesquelles il a divorcé, on ne le sait pas. C'est pourquoi une femme, quand tu tombes sur un homme divorcé, fais très attention. Très attention, il ne faut pas l'entendre toujours comme une victime, parce que tous les divorcés sont des victimes, en fait. Il n'y a pas de crime. Bango va fautifté. Bango kande basa la bango mabe. Eh, yé kande ba okela kete, yé kande ba linga kete, yé kande ba comprena kete, yé linga kana emingi, yé kosa kate ba kosa kie. C'est toujours comme ça, mais en réalité, bango t'appel un vrai bourreau. Tu vois quelqu'un qui pleure, hein? Et tu crois que Azo le lapo qui m'a pas cité, Azo le lapo qui pas cité. Parfois, Azo le lapo a sali dans le malabou, a fali dans le mabe mingite. Azo regrette que t'as Azo le kama, mabe nae, et si non, t'es. Il y a des gens qui pleurent parce que ils veulent pleurer, ils veulent attirer la sympathie. Et pour Eliabino, si vous avez été dans le village, vous saurez qu'il y a des animaux qui simulent la mort pour attirer les gens vers eux, assimiler au koukouf, à produire plein d'autres naïbes hormones, mon bimiseli, bimisi, ma salité. Et ça, nous tendons au pola. Et bien, il y a un matin, il y a un piège, il y a un appa, allié bango. Faites très attention. Bateau avec au Kotana, vent à mourir à Kabila. Bataki Koué batte comment Kabila traitait les autres. Au fait, le Kabila dont je parle, c'est un système, au fait. C'est pas l'homme Kabila. Parce que l'homme Kabila, il faut mettre à part et prendre son système entier dans Katinaï. Comment ça réfléchissait autour de chaque président a un casseur d'initiative. Ata Fachi va souffrir et n'a pas de Fachi est un président de la République, mais il a autour de lui des casseurs d'initiative. Et dans le monde, nous sommes Christian Boussambabia, ou à président Théo. Tu dis à Okoufa, jamais. Tant que je suis là, il ne rencontrera pas le président. Pourquoi? Parce que pour Nayazo, quand c'est Christian, il y a un rôle de les places. Alors toute sa vie, il ne fait que dire ça. Donc pour Nayé, à Okata, va t'aller tribune. Dans le journal, il a commis tribune à Christian Boussambabi, qui est président de la tribune, on a ma baloli, puis on a bien ôté. Donc il y a un côté pour Christian Zawan. Donc ça dit qu'il y a des choses comme ça, en fait. Et maintenant, on a compte à Christian, changer ma combo, tu vas te bêler. Bazara Bongo. Habitez, Patrick, non, beaucoup n'y jamais, beaucoup n'y était. Katumbi, à pousser, n'est pas fatigué. C'est comme ça. Et Kabila, c'était aussi comme ça. Bateau, Badala qui autour de lui, casseur d'idées, casseur de projets. Badala qui a construit une muraille, Mokoboé, Bachel président, quand il y a muraille, on a Ayoka Batote. C'est ça qui a détruit Kamere, c'est ça qui a détruit Batebele, Katumba Mwaki et les autres. Mais il faut lire le livre de Katumba Mwaki sur ma part de vérité. Katumba Mwaki parle de cette muraille-là. Attendez même quelques personnes qui étaient autour de Kabila qui lui disaient des choses. Peut-être lui aussi a joué ce rôle-là. Donc, les Arabongo. Alors, ceux qui m'ont dit déjà, ils ont dit que Katumbi, ils ont dit que Kamere, ils ont dit que Katumbi, ils ont dit que Katumbi. En fait, vous devez déjà avoir des idées. Et on ne faisait pas de petites têtes, c'était des grosses têtes. Oui, la révolution dévorait ses propres enfants. La révolution avait dévoré ses propres fils. On détruit le géant Kamere qui était un grand aux côtés de Kabila, on le détruit. On va détruire Katumbi qui était finalement, mais attendez, le trésor même de Kabila. On le détruit. On détruit sans pitié celui qui était comme une caisse de résonance. La deuxième force, Napoléon Nabango, Batulukwebo. Et c'est sans pitié. Je peux vous dire,
Peut-être la personne de Kabila n'avait rien à voir avec. Peut-être la personne de Kabila n'avait rien à voir avec. Mais les casseurs d'initiatives autour de lui ont fait tellement du bruit au point que Kabila a cru que c'était vrai ça. Et Batouana, c'est un problème de Bangou. Et bien c'est comme ça. Mais alors quand vous faites des analyses froides, vous comprendrez que je ne peux pas intégrer ce truc tant que les casseurs sont là. Parce qu'il faut commencer d'abord par identifier les casseurs. L'avantage de Félix Tshisekedi, c'est quoi ici dans cette histoire? Ce qui peut être comme un avantage. Félix Tshisekedi a été dans un parti de l'opposition. Il a vu comment le président de la République était embrigadé. Donc Félix Tshisekedi n'a pas beaucoup d'excuses, le quoi Kabila. Kabila peut dire, moi j'étais jeune, Naïm Bamou a connu le pouvoir. Il lui peut dire ça. Je n'ai jamais été témoin, non, mais pas Félix Tshisekedi. Félix, l'école a connu, c'est-à-dire l'école à méritocratie. Il est le fils d'un homme extrêmement intelligent, extrêmement pertinent, un fin politicien, un fin stratège. Donc, ça lui donne beaucoup d'atouts. Et ajouter notre tempérament à Yemoko, ajouter notre tempérament à Yemoko, ajouter notre connaissance à Yemoko, ajouter notre bilan comme ça, parce que Félix Tshisekedi est son père. Vous savez tous que Bandeng Yemoko Penzate n'a pas la macambo. Le père de Félix n'a pas de comment on appelle, n'a pas de concession à faire. Et c'est ça, c'est ça. Mais Félix Tshisekedi peut arrondir quand même certaines histoires. Mais non. Tout le monde a beauté. Tout le monde a beauté. Ce qui a valu à Félix Tshisekedi une ascension dans le modèle. Voilà. Il n'est pas intransigeant comme son père. Mais sur le fond, ça reste le même. Ça reste des gens, ça reste des hommes et des femmes pratiquement détournés dans Marambébélé. Donc ça, il faut le dire quand même. Alors, donc, Bino qu'on a tout, ils ont fait comprendre, Bino pour comprendre que, Ali Otokende, ils ont penza et un goté. Et c'est comme ça. Alors, quand on dit dans cet audio que ma députée base à la Serein, où est-ce que Biloko Lokuta? Est-ce Biloko Lokuta? Et je pense que toutes les rencontres où Joseph Kabila, ça l'a battu, il a dit PPRD, n'a battu FCC Mobimba, je crois qu'il a eu des sons de cloche contraires. Je crois qu'il y a eu qui dit, oh, Bakambo Babisanga, n'a Makambo Bango Babisanga, il y a un démonté. Parce que ces gens-là font quoi? Même Fachi et Kabila, c'était la même chose. On les coupe, Bakatarabango, on leur coupe, on coupe ces gens-là dans la source de Bango. On ne leur dit pas vrai sur tout, surtout. Monsieur le président, assemblée nationale, l'élu fort, le chef de l'État se contente, Nango. Mais maintenant, l'avantage, c'est pourquoi nous disons que le chef de l'État, comme il nous connaît tous, comme il connaît chacun d'entre nous, un jour, le chef de l'État, il parle à la télé, je vais l'écouter. Et ce que tu as expliquer. Au milieu du président de l'extérieur, tu as là, mais tu as là, tu as là, de l'extérieur, voici ce que les gens pensent de vous. C'est toujours bien. Et Mobutu le faisait très souvent. Voilà ce qui a fait que Mobutu reste très longtemps. Parce que Mobutu pouvait donner au peuple ce que le peuple pensait qu'après si. Donc, on a fait ça, il a fait que moi, il a fait que moi, Babi Koto, Mobutu vous amène des terrains, Babi Koto, attention, il a fait les matins, mais bon, Mouni, quand même, qui va répondre au Bino. À partir du problème au niveau territorial, il est parti. Il a amené des matériaux, tout le monde qui a créé les mêmes bons pour financer les matériaux en exacté. Et puis après, ce n'est plus lui. Tout le monde qui a dit, oui, il a déjà le comme quoi. Donc, c'était important d'écouter les gens. Mais après, bon, vous voyez comment ça s'est passé. Donc, la sérénité dont on demande aux députés est la possibilité. Les députés se sont rendus compte que Félix Tshisekedi peut nous détruire et Kabila ne peut pas nous réhabiliter. Ça, ils ont compris, les députés. On a tout baïbi. On a tout autour de lui. Baïbi, une minute, Kabila négocie nos postes. Alors que Félix ne négocie pas nos postes. Il nomme. Batouana, comment apprécier? On a un ministre, c'est vrai. On a qui nommé par Kabila. Pardon. On a qui proposé par Kabila. Nommé par Félix Tshisekedi. Comme j'étais proposé. Mais ce qui est le Félix Aboyinga, à Longolinga, au gouvernement, on a raison que ça n'a pas. Mais ce qui est Félix Tshisekedi, Kabila, Ndiminga. À Tininga, la majorité, n'a pouvoir, Kabila Kobo Yanga, il va faire sa mouton sous. Félix Kobo Yanga. Donc, ces gens-là ont réfléchi, ils ont dit non, celui qui a plus la force de nous nuire, c'est Félix, ce n'est pas Kabila. Parce que Kabila peut dire, na lingi suyete, Félix dit, ok, pas de problème, allons on a kota na bino, mais tika na kota nanga. Ouais, le problème. Alors que, oh, Félix, a boi, Kabila Kobo Yanga. Quand nous avons dit aux gens que si l'homme propose et Dieu dispose, nous avons, dans FSDK, tout à l'heure, Kabila propose, Fachi dispose. Ce que les députés ont fait, ils ont calculé, ils ont compris. Au moins, le Premier ministre a été en train de se faire. Une dame, elle ne se comporte pas bien dans le ministère, cette femme-là.
que vous connaissez, je ne citerai pas le nom. Moi, je suis dans la tête, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de elle ne travaillera plus, à moins que Miracle Salema, à Foukama, à Sengaba, pardonnez, à Sonitaire, à Rosalane Perron. Même dans le point de vue, au moment où on travaille sous terre, vous avez vu une dame de l'Assemblée nationale, cette dame-là, cette dame de l'Assemblée nationale, je ne parle pas de la présidente, une autre dame, Adarmon Noirbo, je peux vous garantir, elle ne travaillera pas avec Fachi. Donc, au moins pendant 10 ans, alors ça, sous Moussalaté, alors Zalaka a battu côté, alors Zalaka a FCC Kouna. Non, c'est pourquoi? Parce qu'elle a insulté le président de la République. Elle a dit des choses sur cette gouvernance. Elle a raconté des choses et elle sait. En fait, maman Baye Baraki, il y a partie majeure, il y a Makambo ici, Mbate. Il y a un gros monde qui a été fait. Il y a un vieux qui a été fait. Il y a un vieux qui a été payé par Ebi qui a été fait. Il y a un vieux qui a été fait. Alors, Batouana, mais sachant qu'ils vont aller nulle part et ils ne pèsent pas beaucoup dans la société, ils ne rentrent pas Kabila pour endurcir Kabila. Batouana ne va pas se faire. Soldats. Non, ils sont des soldats désespérés parce qu'ils savent que bana bana venir. Bato tout le monde qui bataki na Kabila mais bana va venir na bango. Bako zo musala il se taise. On est ministre moko za ministre moko na mboka. Oh ministre moko wo ibino ye soir. Ce ministre là ne travaillera plus avec Fachi. Non. Parce que bana ba audio na ye bana ba son na ye ou afinga Félix Tshisekedi, afinga kayé le téléphone. Tant on peut ça par rapport na ba hiérarchie na ye, alou ba n'importe quoi. Et batou ba ebi yango. Et il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire une chance de gagner ceci. Pourtant, mon modèle, on a Fatih, on a pesé qui pour qu'il y ait. Vous voyez tout ça? Alors, tout le monde a pensé à bloquer. Et ce sont eux qui mettent Kabila dans une certaine confiance pour dire qu'on est avec toi. Et on est pas là, ils mentent en disant que Baza est belé dans le bisou. Mais le jour où il y a un vote, on va comprendre que, oh, pas tout le monde a été à 240 et quelques. Mais il y a beaucoup de 280. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont dit non. Il y a des gens qui ont dit non. Bati y a des gens qui ont dit non. Ah bon, qu'est-ce qui prouve que Bissot y a des gens? C'est comme ça. Dans le même audio, on dit notre camarade Che Okitundu nous a rappelé que vous avez le pouvoir d'un côté et vous avez les promesses de l'autre côté. Bon, on a mal écrit, on a parlé des provinces. D'abord, un, tout qu'il y en a tous les deux côtés. Le ministre de l'Intérieur va vous sanctionner. Bah, président de l'Assemblée provinciale. Mbangou. Bah, c'est bon, ce qui bouillette, c'est regardez ce qui va vous arriver. Mesdames et messieurs, lisons au nom de la République. C'est l'article 198, c'est l'un des articles qui a été modifié d'ailleurs. Pourquoi vous modifiez quel commandement de l'eau? Je pense qu'à un moment donné, quand Kabila lit la Constitution, il se fâche dans la modification pour ça là. Cette constitution a été modifiée par l'article, par la loi, elle a été modifiée. Voici ce qu'il est dit, n'entends rien sauter. Toi qui en a liné à Souka. Lorsque une crise politique grave et persistante, menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le gouverneur de province. Dans les cas, et chez, dans ces cas, la Commission électorale nationale indépendante organise l'élection du gouverneur dans un délai de 30 jours. Bandeko, est-ce que vous comprenez le sens non? Ça veut dire aucun gouverneur. Oh, il y a Tanganyika. Oh, il y a Lualaba. Oh, il y a Lubumbashi. Oh, il y a Goma. Oh, il y a Mbandaka. Aucun gouverneur ne peut résister au président de la République. Ngaïté, Mobeko, on est Mopesa et pouvoir est belé. Mopesa a pouvoir au Ponas à Samba, ce qui peut Katumbi, pour Abeta, ce qui bat en Équateur, tout éviter. Mais pouvoir au Mopesa qui est bon, ça veut dire qu'il y a un ticket éternellement. Motomotu, tout le monde a couru à cause de pouvoir ou Anna. Si quand tu as eu pouvoir ou Anna, il y a un gouverneur. Ça veut dire, gouverneur, il y a Tanganyika. Gouverneur, il y a Lualaba. Gouverneur, il y a Congo central. Gouverneur, il y a Kasai. Gouverneur, il y a Congo.
Ce qui a bandi ko télé mais la présidente de la République. Balobi bien la crise persistante, ndeko crise persistante juge nango za président. Et ça cour constitutionnel. Est-ce que Bokia est sinon ma cour constitutionnel? Et la cour constitutionnelle, il y a coupé, il y a crise grave et persistante. C'est le seul président de la République. Je peux vous donner un petit exemple. Chef de l'État, ce qui est vraiment nuire, il y a un député Moko Yambandaka, un député Moko Yalualaba, un député Moko Nabite Yaplastine, un député Moko qui est dans la désordre dans l'Assemblée nationale. C'est la motion contre Moutoutel, allez, bon, dans la crise. Là. Le député va aller à 2, 3, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, bah, ça lié le rumor, bah, les motions contre le gouverneur. Assemblée, l'Assemblée, il y a pouvoir, il y a un FCC, tout le bas, bah, protéger le gouverneur. Désordre, bandi, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, Bokobima, Togobima, gouverneur va tomber, papa, cette crise-là. Du moment où il y a une crise entre l'Assemblée nationale, du moment où il y a crise entre l'Assemblée nationale et les gouvernements provinciaux, pas seulement. Lorsqu'il y a dysfonctionnement des institutions, le chef de l'État prend des mesures. Si qu'on va lobby, il faut avoir une ordonnance délibérée en Conseil des ministres. C'est quoi? C'est une ordonnance, non, n'est-ce pas? Le chef de l'État statue par voie d'ordonnance. D'abord, ordonnance à président. Mais il faut la débattue, délibérée. Or, dans le Conseil des ministres, les ministres n'ont pas le pouvoir de s'opposer à une vision du chef de l'État. Parce que c'est toujours lui qui continue, qui voit l'indé qu'il aura toujours une souk. C'est sa voix à lui. Excusez-moi, c'est sa voix. Et si le chef de l'État dit au cours du Conseil des ministres que nous devons cet équivoque, si il dit au Premier ministre de le faire, le Premier ministre refuse, celui qui est le président le fait. Or, dans le cadre de Tokesiko, l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée, il faut vous dire que ça ne touche pas les gouverneurs, hein. L'Union sacrée doit toucher le gouvernement central. Mais il y a une répercussion. Ceux qui gouvernent, le Premier ministre, le gouvernement, et l'Union sacrée, abîmée. Au moins directement, l'arrogance du gouvernement, l'Union, c'est ici. Là. Et ici, la Makassi. Parce que pour gouverner à voyager, il faut autorisation de sortie. Ce sont parce qu'il y a des on est en train de mentir au sénateur Kabila que Bozan a pas province. Vous n'avez pas de province, vos provinces sont liées à l'article 198 de la Constitution. Supposons que le conseil des ministres et il y a un ministre Oyo, il y a union sacrée. Ça veut dire les ministres qui partagent la vision du chef de l'État. Et que vous allez à l'Assemblée nationale, dans le Sénat, vous allez partager la vision présidente de la République. Ce que vous expliquez, Ngaï. Donc, ça sera la lettre à la poste. Et vous allez la mouka, tongo, bon, ok, allez. On le fait tomber. Et vous faites, vous tombez. Donc, pas qu'on s'habille noté que pouvoir est ma province, Bozan Ango. L'article 198 vous dit clairement que Bozan a pouvoir en été, et nous avons exclusivement, et pas chef de l'État, pour détruire Bango. Pourquoi on ne nomme pas Bouki Bango? Ça, il faut que les gens retiennent. Alors, bon, et puis il dit que je sais que les élus sont aujourd'hui courtisés matin, midi, soir, des promesses, mais ce ne sont que des promesses. Oui, des promesses. Les députés doivent se poser des questions. Il fallait hier mettre fin au mandat des députés. Aujourd'hui, ils sont devenus les plus beaux, les plus gentils. Ce sont les mêmes députés hier qui devraient être massacrés par les Wewa. Non, monsieur l'honorable Kabila, les Wewa n'ont jamais décidé de massacrer les députés. Les Wewa ciblaient les ennemis de la République. Pas les députés, les vrais députés. Non, c'était les ennemis de la République. Bato, les gars qui ont tiré justice à sang et à feu. Bato, les gars qui ont ébranlé Mboka Oyo. Ils n'allaient pas massacrer les gens bien. La preuve, beaucoup de députés du FCC n'ont pas été dérangés. Alors qu'il y avait Banda Kounabango. Ils se sont attaqués aux caciques, aux gens qui voulaient faire croire aux gens qui ont ébranlé deux cerveaux, trois cerveaux. Et il ne faut pas jeter de l'opprobre dans la on a vu sur la criminalité. Il y a un résultat, il y a mauvaise gouvernance. Ce qui est bien, c'est parce que vous n'avez rien fait dans ce pays et ça a permis aux gens de sortir et bien la bongo. Les OUA sont venus parce que les OUA étaient une réponse. Vous n'avez pas de transport et la pauvreté était grave. Mais ça vous a coûté quoi pour nous payer ce casque, pour obliger à porter un casque? Ça ne vous a rien coûté. Parce que ce n'était pas votre priorité. Donc, là, on n'en parlera pas. Alors, l'audio que l'on attribue
à Joseph Kabila dit, « À vous, mes très chers amis et très chers camarades, je ne suis pas un prophète, mais s'il y a une nouvelle majorité qui doit naître du FCC, est-ce qu'il va se passer après un mois, deux mois, après il faut faire une république, et puis il faut organiser une élection en 2030, 2032. Non, les élections auront lieu en 2023, le chef de l'État l'avait si bien dit. » Une autre information, messieurs et dames, c'est que l'opposition congolaise, Koutanakina, Batuya ONU, Katumbi, pardon, Fayulu, Namozito, Koutanakina, Batuya Nations Unies, pendant que Sengabango, ça la dialogue, mais on leur a dit qu'il n'y aura pas de dialogue, l'heure est de travail. Même les Nations Unies a répondu à Bongo que non, non. Il y a des choses quand même qui ont assez évolué. Ce n'est pas possible quand même, non. Binomo, Bongo, on a été que ça normalité. Binomo, Bongo, on a été que ça normalité. Les Nations Unies, Bangomo, Balobi. Bangomo, Balobi, déjà que moyen, crise dans la Congoté. Contrairement à ce que Leila, Oyo, Tindakel, n'importe quoi, voilà. Supérieur naïe à Othello Bakio, il n'y a pas de crise au Congo. Donc la démarche au Mozu, tu vois ça, la ONU, et dans le cas de démarche, il y a, bon, tous les opposants, hein, ça la perd. Mais est-ce que les bandits, ils ont dit, ils ont moi, et l'autre, on a Sika. Mais les députés, ils ont déjà. Par contre, le FCC, ils ont équipé dans le Bango. Donc on comprend maintenant les véritables alliés. Dans le Bakio, l'autre fois, nous avons dit que le Bango est juste sérieux. Mozuto est un allié de Kabila. Mozuto est un allié du FCC, un vrai allié du FCC, et il entraîne Martin Fayulu na logique wana. Donc il y aura une recomposition de l'opposition, Martin Fayulu, Joseph Kabila et Mozuto. Vous allez ensemble pour qu'il va travailler dans l'opposition. Ce qui est bien, ce qui n'est pas mauvais pour la démocratie. C'est bien. Mais au moins, dans la même démarche, le PPRD est allé voir l'ONU. Et puis, vous avez vu aussi, la Mouka, et SIDE et Nouvel Élan sont allés voir... aussi l'ONU. Donc, Bangoumi Balé, dans la même démarche. Kabila, na Mozuto, na Fayulu, dans la même démarche. Je peux vous le garantir. Et M. Mozuto, encore une fois de plus, il a menti à Kosikaka. Parce qu'il n'a rien à... De tout ce qu'il a dit là, rien ne sera fait. Dans le cas où vous avez un dialogue, vous avez un dialogue, vous partagez le pouvoir, vous avez un dialogue. Il y a des députés. Il faut que tu aies une union sacrée. À côté de l'union sacrée, parce qu'il y a un Kabila dans l'opposition. Ça, l'opposition, il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, faites très attention à ces gens-là. Ils n'ont pas de leçons à vous donner. Non, pas du tout. Le temps me manquera pour parler de ce qui est de Mozuto et autres, mais sachant simplement que M. Mozuto n'a aucune leçon de gouvernance à donner aux gens. Aucune. Aucune. Aucune, en tout cas. Alors, merci d'avoir été nombreux. Merci, Nobolanda Ibisso. On va se retrouver très prochainement. Que la peur qui est dans nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément, dans le Washington. Je dis maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Je dis shop, Africa Union. Mais quand tu es un gnosso, il y a un Congolais. On dit que les gens sont là. Bio Africa Union et toi t'es tout à coup sinon vous voyez pas sinon vous voyez rien. Mon commandant est dans tes cas, alors tes cas bio y a mboka, y a fresh, y a bio, bio na bio, bio na bio. Si on a mangé bio, pour la mon canja isali. Parobi nzomo y a rien. En Cuba paniwa. Parobi nzenze isali. La commandant est sur un poto y a misé. Parobi niaba y a bosu y a boko bosu isaga ne. Kala ngando ne kala ni na basi. Notre
na Congo, noye mani, noye bolonde ne la lisa.